You know I can do whatever, wherever and ever. You're my treasure, forever you and I will live together. Boy, I wanna be with you, tell me anything I would do. For you I'll be a fool, I fool brand new and I'm with you. Boy, I wanna be with you, tell me anything I would do. For you I'll be a fool, I fool brand new and I'm with you. Come to me, play with me, love with me. Ah, bonjour. Pardon, oui. Est-ce que Monsieur Jim est là? Je peux le voir? Et qui êtes-vous? Ah, je suis charpentier. Son charpentier. Il m'a demandé de fixer un lieu pour lui. Il m'a demandé de l'amener ce matin et voilà, je l'ai amené. Ah, ok. Malheureusement, il n'est pas là. Ces derniers temps, il quitte très tôt pour le boulot. Oh, 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 oh. Madame, n'a-t-il pas laissé un peu d'argent dès que je me présente et vous me le donnez? Non, rien du tout. Pourquoi? Oh mon Dieu. Madame, pardon, je sais que ça peut être un dérangement, mais s'il vous plaît, je vous en prie. Pouvez-vous me donner 20 Ghana, comme ça je vais payer ces chauffeurs. Sinon, madame, si vous ne faites pas ça, je serai mort. Je vous en prie, je n'ai rien sur moi. Désolée. C'est un peu difficile parce que je ne vous connais pas. Oh. Je ne vous ai jamais vu. Et qu'est-ce qui prouve que tu n'es pas escroc? Ah, madame, comment ça escroc? S'il vous plaît, regardez le lit au coffre de la voiture. Je ne suis pas un escroc, madame. Mais tu me fais perdre le temps. Oh, mais je viens, un peu de patience, j'arrive. Madame, pardon, je vous en prie. 20 Ghana, s'il vous plaît. Oh, madame. Oh. Oh, oh, oh. Ah, je dois aller prendre les enfants de mon boss. Viens, viens, mon frère, tu vas m'aider. Mon frère, je t'en prie. S'il te plaît, je t'en prie, fais-moi une faveur. Tu vois, l'argent que j'étais venu chercher, malheureusement, je ne l'ai pas pris. Maintenant, là, je te jure, je n'ai rien sur moi. Même si tu me frappes, tu me soulèves là, tu bouges, tu n'auras pas l'argent. Je n'ai rien sur moi, mon cher. Alors, je t'en prie, t'as vu l'endroit où tu m'as prise aujourd'hui? Je t'en prie, s'il te plaît. Viens demain matin, tu auras ton argent, s'il te plaît, je t'en prie. Ok, bon, combien tu as là? Pardon? Je dis maintenant, là, tu as combien? 6 cedis. Donne-moi ça. Oh, comment ça? C'est tout ce que j'ai comme argent. Oui, je sais, donne-les-moi. Merci. Merci. Alors, aide-moi à descendre ça. Ok, c'est bon. I know that you know that we know that you know that you love me. Anything that I think before I say, before I wait, could you fly out of a million girls? You told me to be your girl. All God is the real. Out of a million girls, you told me to be your girl. All God is the real. Who showed me true love? True love, true love, true love. Send me, girl. I'm happy that you love me, everything that you do for me. Many, many girls I see. I'm worried you leave me, cause it's so easy to search for a girl. I'm lucky that you love me, everything that you do for me. Many, many girls I see. I'm worried you leave me, cause it's so easy to search for a girl. Like love. Let me show you, let me show you. You es encore là? Oui, madame, j'attends Monsieur Jim. Ne vole pas des trucs dans ma maison. Oh, non. Je connais très bien ton visage, je pourrais t'identifier à la police. Oui, madame. Au revoir, madame. Bon, allez, madame. Tu n'es même pas de mon niveau. God, this is my Thanksgiving. You know I feel ashamed to have someone like you, and I have you. Show me you, show me true love. Let me show you, true love. Let me show you, true love. You show me true love. Let me show you. True love, I love you too. Let me show you, boy, I love you too. Let me show you, boy, I love you too. Let me show you, boy, I love you too. Let me show you, boy, I love you. Bonjour. Oui, bonjour. Le pain, je peux acheter des Ghana City? Ouais. Oui, serve-moi, je dois manger. C'est frais? Oui, il est frais. Tu es sûr? Oui. Oh, ne me trompe pas. Ne soyez pas inquiet. Oui. Ne pourras-tu pas me mettre de la margarine? Oh, un peu de margarine? Ah oui, je t'en prie, bien que je n'ai pas assez d'argent, hein? D'accord, c'est pas un problème. Oh, ce pain n'est pas frais. Oh, tu m'as menti, c'est pas frais. Non, il est frais. Tu es sûr? Oui. Non, non, ne mets pas ça là-bas, t'inquiète. Pas de quoi. Merci, des sachets d'eau pure. Oui. Ok, tu me remets 2 Ghana Cedis. Oui, merci. Oh, je vous en prie. C'est quoi ton nom? No Tola. Oh, No Tola. Everyone, every day, sometimes we wear them so much, and we forget who we really are, and sometimes we feel like we shows as quelle soupe! J'avais vu tes appels en absence. J'avais du pain à la plage et je ne pouvais pas décrocher. Ça va, c'est pas un problème. Tu m'avais tellement manqué, je me demandais pourquoi ne pas t'entendre. Et comment ta journée? Ne m'en parle même pas. Et pourquoi? J'avais fini le lit de James. Je t'allais lui donner pour qu'il me paye mon argent. Je suis arrivé, il n'était pas là. Blague à part, j'étais là toute la journée. Je te dis vrai, c'est pas une histoire marrante. J'étais là jusqu'à son retour. Je ne l'ai pas trouvé. Ça ne doit pas te faire rire. J'étais là du matin au soir. Oh, tchaï, désolé. Et toi, comment te chope? Très occupée maintenant. Je dois partir. Avant que je ne sois en grand retard. Et finis vite ton repas. Je passerai récupérer mon assiette demain. Ok. Ok. Mais tu as bien préparé, oh. Pourquoi tu ne l'as pas goûté? Je veille sur ma taille. Ah, allez, finis ton repas. Fini pour aujourd'hui, je vais garder ma taille. You're all bad, expect nothing at all. They are all you think of. first day make you feel so great, even when there's nothing to live for today. You are mange bien ta nourriture, hein? Termine toute cette nourriture, ok? Laisse-moi te servir à boire. Non, laisse-moi me servir. Ok, à la prochaine. Bye bye. Prends soin et travaille dur. Merci papa. Ce n'est pas un problème extraordinaire, c'est juste que, vous le savez, vous êtes d'accord avec moi et depuis que j'ai fini mes études, je n'ai jamais eu un travail décent et c'est difficile, je suis vraiment bloqué. Vous-même, vous m'avez dit que si je suis dans le besoin, je peux venir vous dire pour avoir un peu d'argent et spécialement maintenant, je me sens pas du tout bien. Alors je suis venu vous voir, comme ça vous allez me donner ne serait-ce que quelque chose, comme ça j'irai demain à l'hôpital. Et aussi je ne voulais pas venir le dimanche parce que je savais que le dimanche souvent vous partez à l'église. Voilà l'objet de ma visite. Oui, j'étais à l'église, c'est ça ma vie. La prière est très importante pour la vie d'un homme. La prière est un remède à tous les problèmes. Parce que on s'adresse à un être suprême qui voit ce que nous ne pouvons pas voir. Toi, tu détestes l'église. Alors comment vas-tu voir les choses qui ne se voient pas avec ses yeux? Lorsque je prie, il y a des miracles qui s'opèrent. Tout le monde glorifie l'Éternel lorsqu'il me voit prier. Lorsque je dis Amen, tout le monde se sent concerné. Le pasteur, les apôtres et tous les membres de l'église. Tout le monde se sent concerné. Laisse-moi te dire, mon fils, il n'y a pas plus fort que la prière. Vas-y, dis-moi, c'est quoi ton problème? C'est pas ça. Et je sais que cette saison vous a été très favorable. Donc je sais que vous avez l'argent. J'ai juste besoin de quelque chose pour aller à l'hôpital avant que cette maladie puisse devenir grave. C'est tout? Oui. Tu es un gradué. N'as-tu pas des contacts? Oui, je le suis, mais mon diplôme ne m'a encore rien donné. Oh, je vois. Moi aussi, tel que je suis là, je n'ai rien du tout. Je n'ai vraiment rien. Tout ce que j'avais, tu sais que je l'avais investi dans ma ferme. Donc, tel que je suis là, je n'ai rien. Ata kolia pamba oyo. Et comme il n'y passe. Ben oui. Oui, la situation n'est pas bonne du tout. Tu souffres de quoi? Ah, laisse-moi voir. Ça peut être une maladie spirituelle. Oui. Je connais un homme de Dieu. Outempe Chey. Lui, il est spécialiste en guérison des maladies spirituelles. Papa, pourquoi vous êtes si difficile? Pourquoi vous êtes toujours difficile? C'est comme si tu ne m'écoutais pas. Ce que je te dis est vrai. Tu as choisi un très mauvais moment. Un très mauvais moment, je te dis. Ah, si toi, les gradués, tu n'as rien comme argent, alors moi, un simple illettré, comment veux-tu que j'aie l'argent? Tu ne comprends pas? Ago. Amen. Bi. Bio. Bi. Babo. Bio. Bi. Vas-y, mets-toi. Bonsoir, mon ami. Toi, pousse-toi là-bas. Ah. Ah. Comment, papa? Né. Boni, et salim, kolebele, ozo yakota langate. Enlika monini. Ah, papa, makambo, beleka yo sala. Oh, c'est mon propre fils. Ne t'inquiète pas. Oh, ils apprennent yangonde oye awa. Yangonde benda. D'accord. Il ne faut pas hésiter. Lorsque tu as quelque chose à me donner, il faut venir me voir. Il n'y a pas de quoi. C'est ça la vie. C'est ça. Papa Mouké Yangoyo. Iyo. Mon fils, que Dieu te bénisse. Si tu ne fais pas ça, hein, pourquoi devrons-nous rester amis? C'est comme ça que les amis se comportent. Effectivement. Mbalasima, tanga rozozoa, oye, koume la thé, mongo me la raté. Aussitôt trouvé, aussitôt donné. Merci papa. Tu vois, à n'importe quel moment. Viens, moi, je ne sors pas. Je suis toujours à la maison. Merci. Merci papa. Merci. Je pense que vous avez bien compris. Prenez soin de vous. Bon allez. Prends soin de toi, hein. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, hein. Comme je te disais, je n'ai rien comme argent. Rien du tout. Mon fils, je ne sais pas si tu es malchancé. Tu es venu à un mauvais moment. Essaye de revenir à la fin du mois. Peut-être je trouverai quelque chose pour toi. Ah, mais papa, votre soi-disant ami vous a donné une somme d'argent. Eh, tais-toi. Toi, tu l'as vu me donner l'argent. Même si tu l'avais vu me donner l'argent. Est-ce que c'est ton argent? Qu'est-ce qui te concerne ici? Écoute, reviens ici le mois prochain. Je verrai ce que je peux faire pour toi. Et où vas-tu? Ah, je suis venu demander de l'argent. Vous avez dit qu'il n'y en a pas. Que dois-je faire encore? Le mois prochain, et plutôt à la fin du mois, je vais trouver quelque chose pour toi. N'importe quoi, universitaire, gradué. Malgré tout ça, tu viens chez moi pour me demander l'argent. Maintenant, à quoi sert tout ce que tu as fait comme étude? Zoba mobali et tout la mobali à Zangambo. Reviens ici le mois prochain, même à la fin du mois. Tu me trouveras ici. Kodjo, hein? Kodjo, dépêche-toi. Abi, hier, est-ce que madame avait demandé après moi? Tu as de la chance. Elle n'était pas passée à l'atelier hier. Oh, Dieu merci. Donne-moi mon argent que je t'avais prêté hier. J'ai besoin d'argent. Maintenant? Écoute, ma petite tomate. Je promets que je vais te donner ça après, ok? Je l'avais donné à Kodjo la nuit dernière. Kai! Je suis sûre qu'il y aura un miracle et je serai capable de te payer ton argent, s'il te plaît. Hein? Tu as pris l'argent d'autrui et tu as donné à ton vaurien de petit ami? Angela, je ne te permets pas de parler ainsi à mon petit ami. N'essaye pas. C'est bien moi qui ai pris l'argent et non pas Kodjo. Ne crache pas de bêtises sur lui. Prendre l'argent ne concerne que moi et Evelyne. Ce ne sont pas tes oignons. Ok, oh, désolé. C'est bien que tu le dises. Désolé pour toi-même. Tu n'iras pas à la collation de grade académique de Bertrand? Evelyne a dit qu'elle ira, n'est-ce pas? Hey, je serai là-bas, papa. Demande plutôt à Madame Fidèle. Je pense pas qu'elle viendra. Je ne pense pas que je vais y aller. Hey. Je vais passer quelque temps avec Boudjou. Hey! Ça commence quoi? Hey! Toi et ton petit ami. L'amour va te tuer, oh. Je ne dirai plus rien, oh. Garde-la fermée. Je ne parlerai plus. Salut. Hey! Oui, bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. Chérie, ça se lit sur ton visage que tu as un problème et tu ne veux pas me le dire? Comment y parvenir? Regarde-moi. À mon âge, avec mon diplôme, je ne sais pas trouver un emploi. Je suis allé partout. J'ai partout essayé, j'ai tout essayé, ça échoue. Je ne sais plus quoi faire. Pourquoi moi? Tu n'espères plus en Dieu? C'est ça? As-tu oublié les accords que tu avais signés avec Dieu? Nos pensées ne sont pas ses pensées. Oui, il a finalement une solution pour ça. Kodjo, Dieu bénit chacun de nous selon ses plans. Si tu ne trouves pas ta bénédiction, comprends que ce n'est pas encore ton temps. Il le fera au moment opportun. S'il te plaît, ne désespère pas. Ok. J'ai vraiment foi en toi et je sais que ça marchera. Ok. Tout va changer. Ta situation changera pour le mieux. Minute. Quand je lui ai demandé mon argent, elle m'avait répondu qu'elle n'avait pas d'argent. C'est incroyable. Maintenant, elle donne à ce garçon stupide de l'argent. Hey, écoute, elle doit te le rembourser. Elle doit te rembourser ton argent aujourd'hui. Elle a une tête qui ne fonctionne sérieusement. Pas du tout. Hey. That you know that we know that you know that you love me. Anything that I think before I say, before I wait, could you fly out of me, young girl? Force me to be your girl. All God is good breathing. Out of me, young girl. Force me to be your girl. All God is good breathing. Hé, hey, toi voilà. Comment ça s'est passé? Toujours la même chose. Partout où je vais, on me rejette. Je ne sais plus quoi faire. Mais le chien se retrouve partout dans ses bureaux. Je suis voué à l'échec. Relax. Alors tu es désespéré par rapport à la situation? Non, je ne suis pas découragé, non. Même si je le suis. N'est-ce pas une raison pour ça? Crois-tu que je dois toujours être un mendiant à qui tu donneras l'argent à chaque instant? Pendant que je peux aussi t'acheter des habits comme tout autre homme. Même louer un appartement très formidable où nous allons vivre. Ou t'acheter une machine à laver au lieu de les faire pour moi comme ça chaque jour. Hein? Dieu seul a les contrôles. Voilà, tu reprends encore. Tu reprends encore. Tu as toujours dit « attendons le temps de Dieu ». Mais qui sait à quand le temps de Dieu et qui dit que ce temps-là sera mieux? On ne va pas s'éterniser avec ça, c'est bon, oui, ça suffit. Tu as raison. Ah, laisse-moi m'échanger. Priscille? Angie? Je ne t'ai pas remarqué. Vraiment, tu m'as effrayée. Priscille, s'il te plaît, prends place. S'il te plaît, installe-toi, tu m'as effrayée. Ah. Rencontre. Priscilla, es-tu normale? Qui? Non, est-ce que tu vas bien? Y a-t-il un problème? Tu me demandes s'il y a un problème. Le même homme. Tu cuisines pour lui. Tu lessives pour lui, tu lui donnes de l'argent. Tu lui as même donné ton cœur. Mais qui pourra le faire à cette époque où nous sommes, Priscilla? Tu as tout donné à un seul homme. Et s'il brisait ton cœur? Hey. Non, Angie. Si je comprends très bien, tu t'es déplacée de chez toi? Tu es montée à bord d'un taxi pour me faire la morale sur Kojo Thompson? Oh, on dit un peu de retenue. Aujourd'hui, il est tout le temps derrière toi parce qu'il n'a rien. Avec toute sa beauté. Et si t'abandonnais un jour? Priscille, tu fais tout ceci pour un homme. Comment peux-tu faire ça? Tu as gagné au... Tu as gagné au... Applaudis-toi. Tu as gagné au... Priscilla, comme je viens de te le dire, je parlais de la lotion softness, te souviens? Je crois que tu dois le recommander aux clients. Parce que je trouve que c'est une lotion qui rend la peau vraiment, vraiment douce. Ils vont vraiment aimer. Ce n'est pas ce que tu racontais. Que veux-tu? Hein? Que veux-tu? Chaque jour, c'est une autre histoire. Chaque jour, tu cherches à inculquer des bêtises dans sa tête. Toujours diabolisé. Hein? Que veux-tu? Hein? C'est bon, mon chéri. Ne m'arrête pas. Ne me défends pas du tout, s'il te plaît. Je veux savoir la finalité de sa démarche. Chaque jour en train de raconter des bêtises à mon nom. Je suis le seul homme malchanceux? Hein? Dis-moi. Thompson? C'était juste un conseil entre amis. Conseil. C'est ton ami, n'est-ce pas? Tu essaies de la convaincre pour aller trouver un autre homme. Un homme plus riche que moi, n'est-ce pas? N'est-ce pas ce que tu vas achever? Hein? Que ce soit ta dernière fois d'oser parler à mon nom. D'ailleurs, ne viens même plus ici. Tu m'entends? Tu comprends ce que je te dis? Alors sors d'ici. Hé, hey, dégage, sors d'ici. Je te demande de partir d'ici. Arrête ça pour toi. Que je te voie encore ici. Je n'ai pas apprécié. Voilà, c'est ton ami. Salut. Encore toi? Que me veux-tu? Je viens sans rancune en tout cas. Si elle n'est pas ici. Je le sais. C'est toi que je suis venue voir. Moi? Oui. Vas-y, parle. Tu travailles vraiment dur et j'admire cela. Ah, ok. Thompson, je suis venue te demander pardon, ok? Tu vois, Priscilla est une amie très proche. Elle est ma meilleure amie. Et je ne supporterai pas qu'on lui brise le cœur. Tu attends que je la chasse? Je ne sais pas. Vas-tu? Vas-tu le faire? C'est toi qui as plutôt besoin de la voir avec un autre homme. Non, c'est pas ça. Alors c'est quoi? Vas-y, fais-moi comprendre. Parce que tout ce que j'ai appris récemment de sa bouche, c'est que j'étais un homme bon à rien et d'ailleurs un escroc. Mais je lui ai dit en secret. Si tu crois que tu vas dire des histoires à Priscilla et qu'elle ne va pas me les dire, je te rassure que tu es bête. Je suis désolée, je te connaissais pas. Peu importe. Je ne te ferai jamais confiance. Je ne le ferai jamais. Je t'ai toujours prise pour traître. Oh Thompson, je me suis déjà excusée. Je suis vraiment désolée, hein? Je suis désolée. Allez. Es-tu vraiment sérieuse? Je n'ai jamais été si sérieuse. Donc, depuis tout ce temps prétendant que tu me détestes, tu as un agenda caché? Je peux le comprendre maintenant. Et tu sais quoi? Je dirai à Priscilla le genre d'ami que tu es. Et je lui demanderai de ne plus te fréquenter. Vraiment? Veux-tu vraiment dire à Madame Chantilly quelque chose qui va lui briser le cœur? Si tu la crois vraiment innocente, alors tu ne sais pas en quoi tu es vraiment en train de te mêler. Ah oui? Je pourrais t'apporter des preuves imagées. Même si tu m'amènes des preuves imagées, je ne veux pas te croire. Alors, disparais d'ici. Thompson! Ouais, je t'avais parlé de ça. Je devais les garder loin parce que ces garçons sont terribles, hein? Passer la machette. Non, je n'ai rien avec moi. Laisse-moi la chercher. Où est la machette? Je m'amuse avec. Thompson, j'étais en train de penser que pourquoi ne pas aussi créer ou monter ta propre entreprise au lieu de continuer à travailler pour les autres en tout moment. J'aurais dû le faire si j'avais le fond, mais je n'en ai pas. Quoi, tu veux m'aider? C'était juste une suggestion. Tu sais quoi? J'ai vraiment un grand projet. J'ai un projet de créer une très grande quincaillerie. Ou peut-être une compagnie aérienne, ok? Accra, Koumassi, International. Thompson, t'as de grands projets, tu sais, pour un charpentier. Posséder une compagnie aérienne, waouh, c'est grand. C'est pas que je serai là comme pilote, tu vois. Je serai le patron en train de tout contrôler. Hein? Priscilla, je te demande un service. Peux-tu m'escorter à aller voir mon père? Je vais te présenter auprès de lui. Vas-y, s'il te plaît. Hein? 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 Vas-y, dis quelque chose. Même demain, après le boulot. Hein? On va partir. Dis-moi quelque chose, non? Hein? Il ne t'a jamais vu. Je veux qu'il voie la femme qui est à mes côtés. Si je marche, elle marche. Je pose un pas, elle me suit. Papa, oh... Bonjour, papa. Oui, bonjour. Avance, s'il te plaît. Bonjour, papa. Au sujet de la conversation qu'on a eue la fois dernière. Conversation? Conversation? Oh, je vous ai parlé d'une femme que je voudrais prendre en mariage. Oh! Oh, oui. La voici, je vais vous la présenter officiellement parce que... Ok. Ah, mais s'il vous plaît, mettez-vous. Donc, papa, voici Priscilla. Priscilla, ça c'est mon père. Monsieur Tom Sihigna. Heureux de faire ta connaissance. Sois la bienvenue. En tout cas. Merci. Elle est belle. Papa, elle est vraiment trop belle. Qu'est-ce que vous voulez faire? Tu sais quoi? Si seulement tu n'étais pas la fiancée de mon fils, je crois qu'on allait m'arrêter pour viol ici. Oh. Heureusement que tu es sa fiancée. Oh oui, mets-toi. Oh papa, arrêtez. Merci. Ce n'est pas que je vais déshonorer mon fils, mais il n'a rien. Je veux dire rien. Donc rien du tout à te donner. Regarde, il n'a pas un lit, même pas une paire de chaussures. Il n'a pas de travail. Bref, c'est un vaurien. Il n'a rien du tout. Regarde sa tête. Papa, je l'aime comme tel. C'est la chose la plus bête que je n'ai jamais entendue. Si seulement tu veux mourir, vas-y, épouse-les. Vas-y. Ha. Papa, pourquoi vous m'embarrassez comme ça? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Priscilla, tu as vu tout ce que j'ai vécu depuis que j'étais enfant. Papa, hey. Vous avez du vin à la maison pour notre invité? Ça ne peut pas manquer. Je sais que tu aimes boire. Va à l'intérieur. Priscilla, je sais que tu ne prends jamais du vin, mais tu vas essayer celui de mon père. Regarde, j'ai fabriqué ces vins de palme avec le main que tu es en train de voir. Oh oui, j'ai du talent. Tu dois les goûter. Okay. Oui. Mais tu vois mon fils, hein? Tu dois vraiment beaucoup l'aider. Ok. Il est un vaurien, ce garçon. Oh. Papa, je l'aime. Amoureuse. Tantinabi. Ok, Tantinabi. Ok, s'il te plaît, je peux te rappeler après? Ok, Tantinabi, c'est bon. Ok. Priscilla, Tantinabi vient d'appeler. Hé, hey, ce n'est pas fini. Hé, hey, c'est ce que je suis en train de finir. Ok, accorde-moi 30 minutes, je vais finir. Comment veux-tu finir? Comment vas-tu finir? Comme tous les jours. Thompson, ça et là. Pourquoi? Ah! Angie, écoute. Ne te mêle pas de mes affaires. Colle à moi et à Thompson. La paix! Écoute, si tu n'arrêtes pas, notre amitié va se rompre. Tu vas déclarer la guerre entre nous. Tu es fâché parce que je veille à ton intérêt? Ah, laisse-moi. Cherche d'abord tes propres intérêts, s'il te plaît. Pourquoi tu es si furieuse? Et pourquoi pas, Angie? Pourquoi pas? Si Thompson a préféré Priscilla, où est ton problème? Alors, toi tu veux de lui? Bien sûr que non. Alors, mêle-toi de tes affaires. Ah, je comprends pas. Ah. Nous sommes chez ton petit ami. Ça lui appartient. Il a gagné le jackpot. Priscilla, je vais me changer. J'arrive. Accorde-moi 1 minute. Je reviens. La chance t'a vraiment souri. Wow. Bonsoir, monsieur. Bon après-midi. Monsieur Rayford? Oui, c'est moi. Tu me connais? Oui, c'est moi, Priscilla. Priscilla Jacobta. Priscilla. Priscilla a Jay. La fille de Priscilla Jay. On a habité le même quartier. Oh, Priscilla. Oui. C'est toi moi, oui. Oh, tu as vraiment grandi. Quelle surprise. T'es une grande fille là. Oh, regarde-toi. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue avec ta petite amie. Je n'ai pas une petite amie. Comment? Je t'ai dit vrai. Je vous apporte à boire, ok? Okay. C'est bon. Evelyne, fous-moi la paix. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je suis déçue de m'introduire dans ça. Dis-moi pourquoi est-ce que tu avais changé ton attitude. Tu m'as beaucoup déçue, Priscilla. Tu m'as vraiment déçue. Qu'est-ce que tu cherches dans la vie? Quoi? Tu es bénie partout, tu es belle, tu es un beau garçon, tu ne manques de rien et tout ça en un seul coup. Par la grâce de Dieu, j'ai trouvé un homme. Et tu me l'as piqué en un clin d'œil. Je ne l'ai pas fait, Evelyne. Tu as tapé à côté. J'ai tapé à côté. J'ai tapé à côté. Priscilla, j'ai été de ton côté plusieurs fois. Je t'ai défendu plusieurs fois. Je t'en prie. Priscilla, n'essaye pas de le faire. N'essaye pas. Je n'ai rien à faire avec lui, tu es juste jalouse. Comme tu n'as rien à faire avec lui, reste loin de lui. Et je ne veux plus que tu le revoies. Tu ne peux pas me demander ça? Priscilla, c'est ça ta réponse. C'est bien ça ta réponse. Si je peux m'en souvenir, c'est juste à cause de notre amitié. Tu sais comment tu es en colère quand les gens font des avances à ton homme, n'est-ce pas? Rayford n'est pas mon homme. Au fait, il fut ami à mon défunt père. Oh, alors Thompson c'est un homme. Thompson t'appartient, Priscilla. Il a déjà vu tes parents, il t'a épousée, il t'a placé une bague au doigt, il a payé ta dot. Priscilla, dis-moi, ça te fera comment de voir une autre fille t'arracher Thompson en disant que Thompson n'était pas fait pour toi? Comment vas-tu te sentir? Dis-moi. C'est lui le propriétaire de cette maison? Oui, pourquoi? Laisse-moi faire. On doit fermer jusque-là. Ah non, assez, laisse, c'est fini, laisse. La ferme, laisse-moi faire. Ce n'est pas ton nom, laisse-moi faire. Hé, hey, Priscilla. Ça, c'est vraiment une surprise. Oncle Rayford, je te présente mon fiancé, Kojo Thompson. Il a une bouche, laisse-le se présenter lui-même. Oui, je m'appelle Kojo Thompson, monsieur. Alors? Donc, vous m'avez demandé de venir. Thompson, j'espère que tu es un bon garçon. Oui, monsieur. Et que tu aimes vraiment ma nièce. Oui, oui, monsieur, je suis très content de vous rencontrer par son canal. Bien. Yeah. Je voulais juste que tu saches que si tu me fais du mal, tu me fais du mal. Je ne vais pas vous laisser voir, monsieur. Prenez votre thé, un thé spécial de chinois. Priscilla me disait que tu as un projet que je devrais voir. Oui, monsieur. Je peux vous le donner. Vous pouvez le lire seul. That's why I keep my eyes on the road. Sometimes I fall and caught my eyes still bubble up I'm not giving up Yeah, I'm slipping up I'm trying to be bold for one day my story won't be told I wanna be so popular So just a regular girl Striving for power With no formula With no formula Yeah, yeah I'm gonna put my head up, put my hands up, cause I'm gonna make it. I'm gonna put my head up, put my hands up, cause I'm gonna make it. I'm gonna put my head up, put my hands up, cause I'm gonna make it. I'm gonna put my head up, put my hands up, cause I'm gonna make it. Fame is trouble, money is terrible, but I am able to maintain my level. Them call me Queen Leah, cause the notion is fake fire. And when we come in on the yard, Babylon the runway, them scatter. Money talk, one wash is wet. When me make money, me a change this world. Me not gonna fuck, me war up and up. Me not gonna give up until me get it down. I'ma keep my head up, my hands up, cause I'm gonna make it. My head up, put my hands up, cause I'm gonna make it. I'm good for the gold, that's why I keep my eyes on the road. Sometimes I fall and go to my eyes. Ah, je suis vraiment impressionné, très impressionné. Je me demande seulement si tu peux terminer ça avant que les Chinois débutent leur projet. Vous avez ma parole. Je vous promets, ça sera fait. Je vous donne ma parole. Tu es sûr? Oui. Donc, je dois risquer tout mon argent seulement sur ton travail? Je sais, je vous le promets, c'est promis. Tu es sûr de ce que tu dis? Vraiment sûr. Bon, tu as déjà fait un très grand progrès. Merci. Oui, bien. Je compte sur ton travail. Je compte sur ton travail. Oui, oui, monsieur. Est-ce que vous allez quelque part pour que je puisse vous déposer? Oh, non, non, ne vous en faites pas, monsieur. Nous allons nous débrouiller nous-mêmes. Nous restons ici surveiller les chantiers. C'est sûr? Et après, j'irai chez Priscilla. Oh. Et Priscilla, comment ça avance entre vous deux? Monsieur, où irai-je encore, monsieur? Votre fille, elle est tout pour moi. Tout ce que j'ai maintenant, ça vient d'elle. Elle est spéciale. Je suis content que tu les reconnaisses. Oui, merci. Ben, je dois m'en aller maintenant. Ok. Jeune homme, on se voit plus tard, ok? Merci, monsieur. Prenez soin de vous. Continuez à bosser dur. Merci, monsieur. Bon, ok. On se voit plus tard. Prends soin de toi. Merci, monsieur. Oh, boss. Et où sont les restes de maçons? Ils sont à l'intérieur. Ok. Ah, c'est pas facile. Devons-nous avoir peur? Quoi? Peur? Oui, à propos de ce que ce monsieur a dit. Oh, non, non, ne t'en fais pas. Il n'y aura pas d'excuse. Si ça bloque, on change une autre équipe. Tu ne me comprends pas. Je ne parle pas de ça. De quoi parlais-tu? Ce que j'essaie de te dire est que ce projet est vraiment grand. Et tu n'as pas peur que quelque chose peut tout gâcher? Regarde, laisse-moi te dire exactement. Oui. Okay, je suis fait pour ça. Je suis prêt pour la guerre. Livre-moi une bataille. Je suis sûre que tu as aimé. Oui, j'ai vraiment aimé, merci beaucoup. Pas de problème, t'inquiète. Okay. Hey, hey, ça c'est mon homme. Allez, fais-moi un câlin. Comment tu vas? Bien, et toi? Ah, en forme. Qu'est-ce que tu caches derrière toi? Rien du tout. Laisse-moi voir. Oh, rien. Laisse-moi voir. Tu l'as emmené pour moi. Gentil garçon. Oh. Ok, j'apprécie. Merci beaucoup. Oh. Merci. Je sais que tu es très occupé à l'intérieur, donc je te laisse tranquille. D'accord, okay? À bientôt. Ma promesse aujourd'hui au... Pas de problème. Evelyne, vous voulez sauter sur mon nez? Qu'est-ce que c'est? Hey! Hey! Thompson t'a acheté tout ça. Qu'est-ce qu'on a là? Waouh! Tout ça pour toi. Donc il n'a porté que pour toi seul. Oh, d'accord, c'est bon. Oh, tiens ça. On va le partager. Là maintenant tu parles. Toi vraiment. Je prends des verres. Tu veux le garder juste pour toi-même. Et toi là, remets-moi ça. Oh 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 oh. Tu commences avec. Où tu as mis ça? Ce n'est pas ce genre de travail que j'attendais de toi. Comment tu ignores où se trouve ton employé à cette heure? Ce n'est pas ma faute, directeur. Il n'arrive jamais à temps et il est vraiment insubordonné. Mais c'est toi son directeur. Ah, boss. Il a dit à tout le monde dans l'agence que vous êtes sa connaissance. Alors personne ne peut rien lui faire. Parce qu'il est de ma famille, la compagnie devait tomber en faillite. Ça va. Priscilla, ils vivent trop bien. Vraiment, oh. Tu vis dans une belle maison. Quoi dire? Tout ça n'est que Dieu. Evelyne, c'est Dieu. Et bon, j'ai fini de coudre ta robe. Et je me suis dit que je devais te l'emmener moi-même. Va l'essayer d'abord. Oh, pardon. Mais tu m'avais pris la mesure il y a maintenant 4 mois passés. Ah, je suis sûre maintenant que ce n'est plus de ma taille. Tu as ajouté combien de kilos? C'est juste une feature. C'est vraiment joli. Mmh. C'est vraiment ta taille. Tout ça, n'y sont que de features. Ok, je vais essayer ça. Donc tout le pas, nous avait cousu le même modèle. Waouh. Waouh. Et comment tu me trouves ton sac? Ça, tu vas très bien, c'est vous. Ça va. Ça, j'ai l'air de qui? Va trop bien. C'est vraiment joli. Tu es toute belle là-dedans. Merci. Tu brilles. Ah, merci, ma cocotte. Alors, où est ton mari? Nous l'avons pas vu depuis que nous sommes là. Thompson est parti à son travail. Tous les jours, il ne fait que travailler. Hein? Même un samedi? Hé, hey, Priscilla, tu deviens folle. Quoi? Qu'est-ce que ça fait? Comment peux-tu permettre à ton mari riche et élégant de jouer avec tes petites filles? N'as-tu pas peur? Pourquoi avoir peur? Thompson ne voit jamais ailleurs. Alors, d'où est venu tout ça? Oh, je vois. Si j'avais un mari comme le tien, je m'attacherais physiquement à lui et je le suivrais partout. Assez! Tu as toujours quelque chose de mal à dire à propos de ce jeune homme. Auparavant, quand il était pauvre, tu disais qu'il vivait avec Priscilla à cause de l'argent. Maintenant, qu'est-ce qui te fait dire ça? N'est-ce pas vrai? Hey, Evelyne, colle-lui la paix. Et toi là, occupe-toi de tes oignons. Et s'il voit ailleurs, c'est quoi ton problème? N'est-ce pas que c'est un homme? Ah, changeons de sujet, s'il te plaît. Quand est-ce que vous pensez quitter la télé de cette dame et embrasser vos propres business? Priscilla! Priscilla, répète ça encore. Répète ça. Si seulement je pouvais avoir 5000 Ghana Cedis aujourd'hui. 5000 Ghana Cedis. J'allais commencer avec mes propres affaires et quitter chez cette sorcière. Je suis sûre qu'Angie va me suivre. Pardon, oh, je ne veux pas parler. Je ne dirai rien, oh. C'est à cause d'un 5000 Ghana Cedis que vous faites de votre vie un enfer? Oh! Ok, voyons voir ce que je serai en mesure de faire. T'as dit que tu vas nous aider? Evelyne, laissons le temps, ok? Je ne vous promets rien du tout, mais voyons voir. Ah, ok. Pas de quoi. Vraiment. On doit voir. Oh, Thompson est de retour. Bébé. Oh. Salut, ça va? Bien. Je t'ai amené quelque chose, chérie. Oh, merci. Regarde ça. Oh, Thompson, merci infiniment. Je t'en prie. Merci. Laisse-moi le mettre ici. Par terre. Ah. Comment va mon bébé? Très bien. Qu'elle lui dise. Bien. Oh, et ton travail? Pas mal. Tu sais, c'était juste le week-end, j'ai pas beaucoup travaillé là. Bon, je suis à l'intérieur. Quand tu vas finir, tu vas me rejoindre, ça va? D'accord. Je peux évacuer tous ces colis d'ici. S'il te plaît, fais-les. Ok. Bon, je te verrai plus tard. Ok. Ah, Thompson, c'est chaque jour qu'il n'arrête pas avec ses surprises. Hé, hey. Priscilla, est-il toujours fâché contre moi? Thompson, mais pourquoi? Mais il m'a même pas adressé la parole quand il est venu, comme s'il m'a pas remarqué. Ça sous-entend qu'il est fâché après toi? Est-ce qu'il s'est adressé à Evelyne? Répète-le encore. Angie, tu passes toujours à travers. Ah. Priscilla, on doit partir. Maintenant même? Vous savez quoi, vous êtes de mauvais amis. Dites-moi un peu, pourquoi vous me rendez pas visite? Priscilla, c'est pas de notre faute, le travail. Oh, ma chère. Taximan, qu'est-ce que c'est? Comment tu peux parquer ta voiture devant ma résidence? Eh, hey, monsieur, débarre ta voiture, ça va pas chez toi? Hey, quoi? Pourquoi tu cries comme ça? Pourquoi? C'est quoi ce comportement? Papa, je suis désolé, ce sont les stress du travail. Stress? Es-tu sûr? Ouais. Mais papa, que faites-vous ici? Vous avez parcouru cette longue trajectoire du village sans pour autant même me donner un coup d'appel. Vous devez quand même me signaler de votre arrivée. Ça, c'est quel genre de question? Pourquoi suis-je ici? Hey, donc un père ne peut plus visiter son fils. C'est ce que tu essayes de me dire? Regarde, j'ai pris soin de toi. Je supportais tes études depuis l'école primaire jusqu'à l'université. Te voilà gradué. Omata Okita, je suis ton père et je le resterai. Dis-moi un peu, est-ce que ma présence t'embête? Oh, Thompson. Hé, hey, papa. Nini, pourquoi toutes ces paroles? Ok, allons à l'intérieur. Va libérer ces chauffeurs. Je n'ai rien ici. Donne-lui quelque chose. Ça fait combien? Aide-moi à descendre ces colis. Précis, s'il te plaît, fais entrer la voiture. Ça, c'est quel genre de viande comme ça? Ah! Ça, c'est... Ça c'est un poulet. Oui, une viande de chat. Moussonio et lengi. Parce qu'on dit qu'on va athées. Oh. Manger, c'est bien. Manger, c'est bien. Maintenant, c'est le tour des pastèques. Papa, finis d'abord de manger et tu parleras après. Oh, ne t'inquiète pas à propos de moi, je peux faire tout cela en même temps. Je peux parler lorsque je mange, je peux manger en parlant. Non, la vérité est que, auparavant, je croyais que mon fils était un vaurien. Oh oui, mais à ma grande surprise, il ne l'est pas. Il est intéressant. Mais ce qui est sûr, il a changé. Je ne pouvais jamais croire qu'un jour mon fils deviendra intéressant. Je n'arrive pas à croire ça. Hey! Thompson a changé. Des pauvres en riches. Waouh! Hein? Oazamon nanangai. Nakolia nyo so kopesa ngai. Ato pesa ngai kindogi. Nakolia ngo nazatata na yo. Dis-moi, as-tu déjà vu un père sorcier? Sur cette terre, jamais. Peut-être pour les mères, si tu observes très bien, il y en a quelques-unes. Mais pas ta femme. Tu es une très belle femme. Tu as vu comment tu es devenue. Elle a changé ta vie. Regarde comment tu es beau. Oh mon Dieu, Thompson. Il y a de ces femmes, lorsqu'elles viennent dans votre vie, elles vous apportent une bonne chance. Et cette femme, c'est elle qui t'a apporté cette bonne chance. Hein? Cela veut dire que tu dois prendre soin d'elle. Comme ta femme. Ma fille. Tu écoutes ce que je suis en train de lui dire? Très bien, papa. Reste là et dis-moi, j'écoute. Tom, oui. Je suis en train de te parler. Ah, c'est ton problème. Parce que tu m'as donné à manger, tu ne veux plus me répondre. Ne t'inquiète pas, mon fils, j'ai compris les messages. Thompson. Ah! Cet enfant. Ah! Donc, parce que tu m'as donné à manger, tu ne peux plus m'adresser la parole. Tommy! Alors, comment ça s'est passé? Super! Il ne s'est rendu compte de rien. Écoute, je l'avais filé jusqu'au shop. Mais il a vraiment l'air d'un dur à cuire. Merci beaucoup, je vous apprécie du fond de mon cœur. Vas-y, continue, nous sommes encore au début. Et si tout marche très bien, tu seras beaucoup récompensé. Et après? Ou tu as besoin d'autres choses qui vont te permettre à mieux le faire? Non, écoute, je ne sais pas trop la raison pour laquelle tu cherches à gâcher à tout prix ces si beaux mariages. J'ai travaillé avec Thompson depuis de très longues années, c'est un type bien. Il ne mérite pas ça. Sa femme est au courant de la situation? Non, elle est enceinte. Oh, Jésus-Marie-Joseph, mais pourquoi te chantes-tu vraiment à briser leur mariage? Elle m'a volé mon homme. L'homme que je voulais me marier avec. Elle est tombée enceinte de lui. Oh, je vois. Tu n'as encore rien vu. Priscilla m'a volé mon homme. Elle doit payer pour ça. Ok. It's been the I know that you know that we know that you know that you never be anything that I think before I say before I wait to falling out of me and girls you chose me to be your girl all God is this real out of me and girls you chose me to be your girl all God is this real to show me true love, true love. S'il vous plaît, bonjour monsieur. Êtes-vous monsieur Thompson? Ouais. Ok, j'ai un colis pour vous. S'il vous plaît, signez ici. Ok, ça ira. Merci monsieur. Merci beaucoup. perfume. Now I can do whatever, wherever, and however. You're my treasure. Forever, you and I will live together. Boy, I wanna be with you. Tell me anything I will do. For you, I'll be a fool. I feel brand new and I'm with you. Boy, I wanna be with you. Tell me anything I will do. For you, I'll be a fool. I feel brand new and I'm with you. Come to me, play with me, love with me. Dream big with me, walk with me, marry me. Live with me, have babies with me. Grow with me, die with me. Cause you are a blessing. God, this is my Thanksgiving. You know I feel ashamed to have someone like you. And now I have you. You show me, you show me true love. Qu'est-ce qui cloche? Sérieusement? C'est moi que tu te demandes s'il y a un Satama. Thompson, tu as les kilos de me demander s'il y a un Satama. Approche. Je suis désolé, mais ce sont des stress du boulot. Rien du tout. Je vais juste te poser une question. Tu es sûr qu'il n'y a rien que tu veux me dire? Non. Et pourquoi? Rien du tout. C'est juste que j'aurais souhaité ma mort parce que je connaîtrais la raison. Dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Tu me sors des vrais. Non. Oublie, ne t'en fais pas. Je suis désolé de crier sur toi. Je ne le ferai plus jamais. Tu m'as pardonné. C'est fait. Approche. Mais ça, c'est quel genre de cuisine comme ça? Qu'est-ce que je vais manger? Agile. Je connais tout ceci. Et ça s'appelle encore quoi? J'ai oublié le nom, mais je vais le manger quand même. Qui est le père de ce bébé? Dis-moi maintenant, qui est le père de ce bébé? Hé, Miliki na Miliki. Ezo tanga loko la. Et loko nini. Ça est 40. Somo. Il est temps. Dis-moi qui est le père de ce bébé, sinon je te chasse de chez moi. Hein? Hein? Femme stupide! Stupide! Comment tu peux être prostituée? Sale prostituée! Idiote! Imbécile! Thompson! Ça c'est quoi? Thompson! Oh, Bouzobani! C'est comme ça que je t'enseigne? Papa, pardon, restez en dehors de ça, ça ne me concerne pas. Ne me dis pas de rester en dehors de ça. Ce ne sont pas tes affaires. Si ça, ce ne sont pas mes affaires. Dis-moi maintenant, sur cette terre, où se trouvent mes affaires? Ne me dis pas ça. Tu as un problème dans la tête. C'est à cause d'elle que tu es comme ça. Sans elle, qui serait Thompson? Hein? Réponds-moi. Hein? Tu allais être qui? Elle a fait de toi ce que tu es. Aujourd'hui, tu as le courage de porter ta main sur elle. Tu es fou. Tu n'es rien sans elle. Thompson. Thompson. Ah! Ma fille. Zoba, et tout la mobile. Ma fille, s'il te plaît. Mais toi. Tu sais quoi? Tu n'as pas à t'inquiéter. Thompson est mon fils. Je le connais bien. Ne t'inquiète pas, sois calme ma fille. Hein? Il est juste troublé. Hein? Il n'y a qu'une seule bonne chose en lui. Nous sommes ici pour le découvrir. Attendons voir. Thompson. Je ne sais pas ce qui se passe. Au lobby. Qui ne sait pas? Ok, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Désolé, hein? Lève-toi, allons-y. Je ne sais rien. S'il te plaît, ma fille, ça ira. Lève-toi, s'il te plaît. Je suis là. C'est fini. Someone please tell me why? There's those men out there who punch their wives like punching back, who treat them like they're piece of bread. You better stop that, you crazy cat, huh? You the man, so what? Motherfucker, so what? She's wrong, so what? So what? Yeah. So don't you lay your finger on the woman. Oh, Dieu du ciel! Touche pas! Je vais marcher comme toujours. D'accord, laisse-moi dresser ta table, ok? Dégage! Laisse-moi tranquille. Thompson, tu t'es saoulé. Tu n'avais jamais touché à l'alcool auparavant. Thompson, mais qu'est-ce qui cloche? La femme la plus méchante que même une personne ivre, c'est la femme qui ne sait pas réfléchir comme toi. Quoi? la vraie personne ivre et imbécile, c'est cette femme qui ne sait pas réfléchir. Comme toi. Voilà ce qu'il y a. Je ne me rappelle plus du nombre d'années que j'ai dû entendre ces moments. C'est pas juste. Je ne devais pas faire ça. Thompson? Thompson, que comptes-tu faire? C'est pas juste, je ne devais pas tricher. Oh. Es-tu sérieux? Thompson, donc du fait que tu as étanché ta soif, tu veux retourner auprès de ta femme? Oh non, ne me dis pas tout ça. Seigneur, je ne saurais pas. Non, non. Il y a un truc qui ne va pas. S'il te plaît. Tu vois. Ça va? Je suis désolé, ok? Hey, c'est fini. Viens, approche. C'est fini, cesse de pleurer. S'il te plaît, ne me laisse pas toute seule. Non, t'inquiète. Ne me laisse pas. Ok. Ok. Tu fais quoi là? Bonne nuit alors. Moi, bonne nuit. Thompson. Oui. Thompson, c'est à toi que je m'adresse. Thompson, pourquoi tu me traites de la sorte? Qu'est-ce que je t'ai fait du mal? Ah. Qu'est-ce que je fais cette fois-ci? Thompson, l'autre fois, tu es revenu saoulé. Aujourd'hui, tu y es rentré après minuit. Ça, ce n'est pas toi. Qu'est-ce qui ne tient pas? Qu'est-ce qui arrive? As-tu vraiment besoin de la paix? Tu viens à peine de dire que j'étais rentré tard. Au lieu au moins de me laisser dormir, tu viens encore ajouter un problème. Écoute, si ton accouchement approche, ne me dérange pas s'il te plaît. Je suis très fatigué, je vais dormir. Thompson. Thompson. Tu oses me traiter de la sorte? Avec cette condition? Oh, Thompson. Après tout le sacrifice que je fais pour toi? Oui. Et qu'est-ce que tu crois? Après avoir couché avec cet homme, et tu as eu le courage de me le présenter comme ton oncle? S'il te plaît, ne m'énerve pas davantage. Tu as compris ce que je te dis? Tu écoutes ce que je te dis? Comment tu veux? À l'instant, tu me traites de prostituée. Qualifie-moi de prostituée. Appelle-moi prostituée. Traite-moi de prostituée. Thompson! 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 I can't hug you anymore. I can't touch you anymore. No more handshake. My feet troubled now and my heart aches. I wanna know what's at stake. Can someone please tell me what's straight? If it's my life, then God, please take one Kwame beats. Yes, re-afflicted music. My heart is bleeding, and we'll keep on bleeding until we meet again. No pain, no gain. They say, my heart is bleeding, and we'll keep on bleeding until we meet again. No pain, no gain. No pain, no gain. I wish I could go with you. I wish I knew the way. Someone please take me there. Take me there. You got me to be strong and bold. When I'm lost, you show me the way to go. You protected me from evil thoughts, and those who wanted to eat my meat, you delivered me. Thompson, j'avais écouté quelque chose hier, et je ne suis pas du tout content. Je ne peux pas permettre tout ceci. Pour que vous me preniez? Regarde, s'il y a quelque chose, d'ailleurs moi-même je reconnais tous les sacrifices que cette fille a fait pour toi. Et Dieu aussi va te juger si tu continues comme ça. Ah, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Hein? Pourquoi tu ne peux même pas raisonner avant de lui faire du mal? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, où est Liboma? Oh, papa. Papa, vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée de ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Tu as vu un autre homme coucher avec elle? Oui. N'importe quoi. Pourquoi tu mens comme ça? Ah! Est-ce que vous avez vu? Même si elle a fait ça, nous sommes tous des humains. Et elle peut commettre une erreur comme toi et moi. Ah, qui sait, peut-être elle a fait tout ceci pour toi. Je te rappelle, elle porte ton enfant. Si tu fais quelque chose de stupide, mon fils, attention. Attention. Elle porte ton bébé, oh. Pardon, papa. Demande-lui d'aller chercher le père de cet enfant. Demande-lui de retourner ce bébé d'où il vient. J'ai bien écouté ce que tu as dit. Oui. Je viens à peine de faire mon entrée à la maison. Toi, je te demande de sortir de cette maison maintenant. Je te rappelle. T'as commencé la folie? Oui, je suis fou. C'est pourquoi je te demande de sortir de cette maison maintenant même. Je ne vais pas bouger d'ici. Je trouve que tu délires. Tu n'iras nulle part. Je ne bougerai pas d'ici. Tu n'iras nulle part. Oui. Attends, tu vas voir. Thompson! 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 Tommy! Papa, j'espère que tu vas bien. Je vais bien, ma fille. Je reviens juste de l'hôpital. Dormi? Ah. Thompson. Thompson. Hé, hey, Thompson! Je t'ordonne de quitter cette maison maintenant. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tommy? Tommy? Allez, sors de cette maison. Tommy, Tommy, écoute-moi. Pardon, laissez-moi, pardon. Tommy, arrête ça. Hé, Thompson! Allez, tu vois que je suis enceinte. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Allez, tiens. Thompson, arrête ça. Arrête ce que tu fais. Laissez-moi, papa. Arrête ça, je t'ai dit. Et tu es content maintenant? Oui, je suis heureux. Je suis heureux et je ne vais pas la voir dans cette maison. Si vous estimez que vous n'êtes pas content de cet acte, vous n'avez qu'à la suivre. J'irai. Oui, je t'ai dit. Tu comprends ça? J'irai avec ma belle-fille et te laisser seule dans ce tombeau. Non. Au revoir. Hey, Thompson! Thompson! Tu sais quoi? Arrête de te lamenter. Écoute, je sais que quelqu'un a fait quelque chose à mon fils. Ça, c'est pas Thompson. Je le connais. Mais qui? Qu'est-ce que je lui ai fait? Ok, il a trouvé les preuves que tu as couché avec un autre homme. Moi? Ah! Comment est-ce possible? Ah, s'il te plaît, ma fille, épargne-moi tout ça. Ah, ce n'est pas quelque chose qu'on m'a dit. Ah, je l'ai vu avec mes propres yeux. Arrête de mentir, arrête de mentir. Pas toi. Papa, je prends le ciel à témoin et je joue sur la grossesse quand je vois que je n'ai jamais vu la nudité de notre homme à part celle de Thompson. C'est donc pour ça qu'il se déchaîne de la sorte. Oh! Ça ira ma fille, ça ira. Oh, Thompson! Toutefois, trouvons-nous un taxi pour aller, je ne sais pas moi, parce que je ne peux pas rentrer chez moi. J'avais déjà bouffé l'argent de ce locataire. Mais comment? Je n'ai rien sur moi. Hein? Je n'ai même pas un centime dans mon sac. Et je n'ai nulle part où aller. Mais Thompson m'a laissé traîner dans la boue. Hey! Tu veux dire, tu es pire que moi. Hein? Mais pourquoi devrais-je te suivre si tu n'as rien comme argent? Bon, moi j'ai une maison. J'ai une maison. Ah, si je savais que tu n'as rien, je n'allais pas te suivre. Je suis fou. Parce que je ne peux pas rester enfermé. Toutefois, allons-y. Dieu va nous aider. Hein? Allons-y. Il n'abandonne jamais les siens. Allons-y, allons-y. Angie, il est mort finalement? Non. Je vois qu'ils ont fait appel à un médecin. Il sera guéri. Oh, ne me raconte pas la suite, je veux suivre ça. Dépêche alors. Evelyne? Oui? Tu attends un visiteur? Non. Ben, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. I grew a guard every day in your heart. I used to stay, now I can't live with you. I grew a guard Priscilla? Every day. Que fais-tu ici? But here I am, alive and away. The world has returned.